trap, boy. Les mecs, t'es fou ou quoi? Je suis pas fou. Non. Oh, aujourd'hui, on a ramené une petite pépite. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? T'as envie de savoir? Oh. Oh. Petite Alpine A110S de 2022. Tu régales ou pas? Bon, il est vrai qu'elle est pas en bleu comme certains pourraient dire. Elle est en grise, mais un gris spécial. On va vous expliquer ça plus tard. Allez, viens. Moi, avant de vous parler de l'Alpine A110, est-ce que ce serait pas bien de partir un peu à la base? La base de la marque, finalement. L'histoire de la marque. On va quand même parler principalement de l'Alpine A110, puisque on a une Alpine A110, on n'a pas une Alpine A106 ou je ne sais pas quoi. Alors mec, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh ben, en 1955, il y a la création de la marque Alpine, et l'Alpine A110 apparaît seulement en 1962. Eh ben, en 1962, il y a la première A110 qui est aussi nommée comment? A110 Berlinette, et c'est ce qui a rendu en fait la marque célèbre. Famous. Mais pourquoi? Explique-nous. Donc les gars, l'Alpine A110 Berlinette, c'est quoi? Champion du monde en 1973? Ouais. Rien que ça. Champion du monde des rallyes. 1971? Champion d'Europe. Exactement. 1971, on tient à dire que la voiture a tout cassé. Tout gagné. C'est n'importe quoi. Cette voiture, c'était une machine de guerre à l'époque. Donc voilà, rien d'autre à dire. C'est ce qui a rendu vraiment célèbre Alpine finalement. Mais ensuite, Alpine, ils ont tout niqué et après, ils ont plus rien fait, c'est bouffe. Mais pourquoi ils auraient plus rien fait? On sait pas vraiment. Parce que la dernière construite, c'était la 610, pardon. C'était la dernière en production. Et après, il y a eu un blanc. Les mecs, comme ça, ils sont là, ils pètent la forme. Et après. Pendant combien de temps ils ont fait un blanc? Au moins 30 ans. Vingtaine d'années, ouais. Quelque chose comme ça. Et en 2012, Carlos Ghosn, je sais pas comment on prononce, vous allez pas me faire chier. Voilà. Le PDG de Renault, il décide de relancer cette fabuleuse marque. Mais quelle idée incroyable! Parce que regardez, sans lui, ça veut dire que ça. Sans lui, ça n'existerait pas. Ouais. C'est un génie, on peut le dire, c'est un génie. Bon, mais c'est pas vraiment lui qui a créé la marque. Non, mais sans lui, il n'aurait jamais relancé cette machine. Effectivement. Parce qu'en fait, il faut savoir que 2012, il veut relancer la marque. Eh ben, il y avait les 50 ans de Alpine. Qu'est-ce qu'ils font? Alpine A110 50. Qu'on va mettre en image. Voilà. Sauf que ce qui a été vraiment relancé, c'est 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Ils ont relancé la production des A110. Et notamment celle-là, puisque c'est globalement la même. Bien que celle-là, c'est celle de 2022. Et bien 2017, il lance officiellement la ligne de production des A110. Et du coup, nous, on en vient à là. Globalement, on a sur l'histoire, c'est principalement ça. On arrive sur ce bijou de technologie. Il faut se le dire. Bijou technologie, bien qu'il y a des choses à redire sur la technologie électronique. Ah oui, ça, on va vous en parler parce que l'intérieur, Alpine. Bon, voilà. Il y a des trucs à revoir. Mais bon. Les pièces Renault, on n'a plus rien à foutre. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce modèle? Modèle Alpine S de cycle 2022. Combien de chevaux, monsieur? 300. 300, exactement. 0 à 100. 0 à 100. 4 secondes 2. Si, il y avait celle d'avant qui faisait 292 chevaux. Donc, la S. Et maintenant, elle fait 300. Et c'était 4 secondes 4 de 0 à 100. Et maintenant, c'est plus que 4 secondes 2. Et donc, là, les gars, vous allez vous dire: ouais, ils ont pris une Alpine A110 S. Mais ils n'ont pas pris le pack aéro. Oui, parce qu'il y a un pack aéro. Et oui, il y a un pack aéro. Il y a un pack aéro avec un aileron. Il y a un aileron, il y a quoi? Il y a une lame avant en carbone aussi. Aileron à l'arrière, une petite lame avant en carbone. Mais en fait, vous le savez très bien, carbone, ça casse quoi. Fragile, ça, lame avant en carbone. Voilà. Donc, c'est hyper fragile. Tu te prends un dos d'un miteux. Qu'est-ce que tu fais? La lame, elle explose finalement. Et toi? Et toi, t'es t'arrives et tu poses 3000 balles. Tu ramasses le carbone comme ça là et tu le mets dans ta chambre quoi, je sais pas mais tu peux rien faire d'autre à part poser 3000 balles chez Alpine pour aller rembourser ta... Bon, on a quand même voulu une petite option carbone pour contraster avec ce gris magnifique. Ce magnifique gris, c'est quoi gris? C'est un gris spécial. Merde, je voulais pas dire ça parce que je savais qu'on connaissait pas la couleur mais le gris les gars, limité à 150 exemplaires. Donc voilà, à la revente, voilà. Autant vous dire que toutes vos Alpines bleues, oui, peut-être que le gris, ça fait pas Alpine, parce que Alpine c'est bleu, on est d'accord. C'est bleu. Mais à la revente, sachant que 90% des Alpines sont bleues, le gris comme ça,
Bah, il a une valeur résiduelle pour les termes techniques, hein, si vous voulez. Et c'est une valeur résiduelle plus élevée. Et du coup, la revente est plus facile et on gagne plus d'argent. Enfin, et oui. Moins, on garde plus d'argent. Oui. Parce que, voilà, donc, faut garder pas. Moi, je voulais dire. Mais regardez-moi ce toit, le toit en carbone. Qui contraste parfaitement ce gris. Ce magnifique gris. Et en fait, là, il faut savoir que la S. Et puis les jantes. On en a pas parlé, les jantes. Oui, c'est vrai. C'est carrément la. Pratiquement la seule chose qui pourrait nous différencier des anciennes versions, c'est-à-dire que les jantes, c'est totalement des nouvelles jantes, c'est les jantes 2022, ouais. Qu'il n'y a que sur les 2022, que vous ne pouvez pas retrouver sur les 2017. Ouais. Donc, si jamais vous voulez reconnaître une Alpine 2017 ou 2022, bah c'est simple. Premier indice, c'est les jantes. Ouais. Voilà. Sachant que les jantes de base, on les a pas eu comme ça, on les avait, du coup, elles étaient toutes en noir. Et nous, on n'aime pas trop parce que ça contraste pas bien. Bah avec la roue, parce que tout noir, bah on n'arrive pas bien à délimiter la jante. Et ça rend bien plus beau avec le gris et le noir. Je suis totalement d'accord. C'est machala, oui. Si je puis dire. Oui, si tu peux le dire. Bon, merci. Bon, il y a quand même quelques détails qui nous rappellent que cette voiture est une sportive française, notamment. Petit drapeau. Ce petit drapeau. Mais il y a plein de petits détails. Là, c'est quoi là? C'est quoi ça, monsieur? Logo Alpine. Logo Alpine. Il y a marqué quoi sur les traits de frein? Alpine. Doré. Il y a marqué doré. Il y a marqué Doré. Il y a marqué Doré. Julien Doré. Julien Doré. Julien Doré. Attends. Oh pardon. Logo Alpine. Logo Alpine. Bah juste au-dessus du moteur. Exactement. Bah le moteur on peut pas l'ouvrir parce que malheureusement c'est trop chiant. Il faut être Bob le bricoleur, ouais. Pour ouvrir le moteur, c'est un peu relou. Le toit en carbone qu'on vous a déjà montré. Là. Le logo Alpine. Petit logo Alpine qu'on va retrouver aussi sur la trappe d'essence. Exactement, on va faire le tour. Et l'avant les gars, que vous n'avez pas encore vu, hein, qui est carrément incroyable. Regardez-moi cette gueule, avec le Alpine devant là, c'est magnifique. Merci. Bon, il y a totalement une plaque 911, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste parce qu'on n'avait pas d'autres sur plaque. Hein. Mais bon, incroyable. Ah, ces phares là, je la trouve vraiment magnifique cette voiture. Donc comme vous pouvez le voir, la trappe à essence, hein. Comme l'a dit Lucas, mais le petit logo Alpine pour rappeler toujours que c'est une Alpine. Hein. Et puis le drapeau français. De l'autre côté. Donc maintenant, je crois qu'on a un peu fait le tour de l'extérieur, hein. Bah on va montrer l'intérieur. On va vous ouvrir alors. Et bah il fait chaud dans ce bazar. Il fait 35 degrés carrément. Alors, il y a quand même des choses à dire. C'est à la fois, il y a des bonnes choses à dire finalement, mais des choses aussi mauvaises, comme ce putain de truc, des pièces Renault de merde. Ça c'est moche. Ça c'est super moche, ok. On est dans une. Honnêtement. C'est dégueulasse. Ouais, mais et puis même en vrai. L'écran. L'écran qui est. Qui est un peu miteux, on va pas se mentir. Un iPod 4, l'écran. Il est juste un peu grand, mais honnêtement, c'est la même chose. Là, regarde-moi, c'est. Et puis c'est pas du tout fluide, regardez. On va essayer d'appuyer dessus tout, c'est pas du tout fluide. Regardez-moi cette fluidité aberrante. Regardez-moi ça. Non, c'est. Ah, c'est. Mais bon. Bon, vous allez me dire qu'il y a pire quand même. Hein. Il y a pire, on a des baquets. Ils sont. C'est mal. Ah, les baquets, ils sont vraiment magnifiques. Les baquets sont super, ils te maintiennent vraiment bien. Il y a des petits détails même pour le passager qui sont importants. Cette notamment plaque là. La petite plaque. Parce qu'un passager, toujours là, il est comme ça, il sait pas où se tenir. Et là, au moins, tu peux appuyer fort, ça te maintient bien dans le fauteuil. Voilà. Moi, je trouve que c'est un petit détail qui est cool. Et pour attends, le passager. Petit détail de ouf, on pourrait se croire dans une Rolls Royce. Ah ouais. Il y a carrément un parapluie, les gars. Un parapluie Alpine. Non, on a avec le drapeau français toujours, mais c'est incroyable le drapeau. Enfin, on a été gâtés. Parce que en vrai, là, Alpine, là où on était, et on nous a dit qu'ils faisaient pas tout le temps des choses personnalisées pour tout le monde. Enfin, du moins, pas toutes les concessions font ça. Du coup, on a aussi, là, pour les papiers, bah, petit personnalisé, Alpine, logo. Non, franchement, c'est pas mal. On a été gâtés. Hein. On a même une petite bouteille de champagne. On n'a pas siroté encore, mais. Ça ne serait tardé, si je puis dire, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Le volant. Là, on peut parler quand même des bons points. Ouais. Parce que le volant est quand même très beau. Très, très beau. Il y a de l'Alcantara ici, un petit peu. Regardez, les gars, j'ai oublié de vous dire, mais quand on rentre, A110S, toujours pour nous rappeler hein, qu'on est dans une A110S. Ensuite, on a les aérations qui sont assez jolies, hein, franchement, en soi. Bah, jolies. Après, moi, j'aime bien. Avec le carbone autour, comme ça, c'est joli. Et puis, on a quand même un bon son. Hein, c'est un les bon enceintes focales, hein, enceintes focales,
C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Mais bon, heureusement qu'on a Apple CarPlay parce que c'est ça qu'on voulait vous dire avant. Du coup, l'électronique, c'est pas ça. Bien qu'ils se sont améliorés sur celle-là parce que avant il n'y avait pas Apple CarPlay. Donc Apple CarPlay, c'est ce qui te permet de connecter ton téléphone pour mettre ta musique, tout ça, etc. Qu'il n'y avait pas avant. Et maintenant, on a, du coup, c'est un plus, je trouve, quand même. Parce par rapport à l'ancienne version. Ouais. Oui, tu peux être roulé confort. Si tu fais des voyages de 2-3 heures, tu roules pas tout le temps à fond. Quoi, donc je trouve que c'est pas mal d'avoir l'Apple CarPlay. Ouais. Même si, bon, pour brancher son portable, c'est une galère. Pour Spider-Man. Tout. Et puis, comme on peut le voir, les gars, une petite plaque Alpine, 45 sur 110. Ouais, exactement. C'est mignon. C'est mignon. Donc les gars, on va écouter cette beauté. Hein. Écoutez-moi ça. Ça pétarade, hein, ça pétarade. Hein. Bon allez, on va partir faire un tour. C'est parti. Moi aussi, je pense à la longue, comme je disais, sur des longs trajets, être un peu relou, quoi. Ouais. Mais c'est que en mode sport ou en mode track, parce que du coup, j'expliquerai les trois modes, mais il y a trois modes. Et le mode normal, un peu confort, quoi, finalement. Et ben, lui, il pétarade pas, quoi. Donc, t'as pas besoin d'avoir tout le temps des pets, quoi, d'air, quoi. Ouais, voilà. Enfin bon, voilà. Voilà. Bon allez, on va partir tout de suite. Allez, c'est parti. Ce petit bruit là, c'est que les gars, on a vraiment le moteur juste derrière nous et ouais. Ça chante. Hein. Ça chante, quand ça chante. On va accélérer un petit peu plus, on va entendre ça va pétarader, comme on peut dire. Ça va pétarader, ouais. Pétarader dans nos oreilles. Ça, c'est un réel plaisir. C'est bijou, c'est bijou. C'est pépite. C'est pépite. C'est pépite. Ah. Petit. Et la voiture, les gars, elle est vraiment toute petite. Genre, je pense que vous vous rendez pas compte, mais genre, c'est vraiment un petit jouet. Genre, ouais. La voiture est toute petite. Bah en vrai Alpine hein. Ouais, non mais oui, ils ont voulu garder le côté bah, de toute façon, le côté si petite berlinette, ouais. Quoi, c'est ça. Bah, c'est vraiment une seconde génération de la petite berlinette. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les mêmes lignes. Mais et le châssis, faut qu'on en parle du châssis. Il est vraiment super ferme en vrai. Ouais. Donc là on a c'est une route de merde. C'est un peu une route de merde et les gars, en vrai on sent toute la route, C'est là où on voit que c'est comme une voiture qui est un peu une âme de pistarde, quoi. Bah sportif carrément. Ouais, sportif. Ouais, oula. Mariage en direct. Mariage en direct. Bon, ils ont pas. Let's go, le mariage. Ouais, le mariage. Ouais, vas-y, klaxonne. Ouais. Non, t'as pas klaxonné là. Non. Bah, fallait que tu klaxonnes. Oui. Il fait une chaleur écrasante, je dirais même. Et ben on l'entend. Pour la miniature. Ok, c'est bon. On l'entend le moteur. Hein. Petit quad. Est-ce que vous entendez comment ça pète derrière là? Petite Panamera des familles, mignonne. Elle était belle, c'était un peu mignonne. Ouais. Au petit gris, franchement mignon. Ça y est les gars, on s'est requinqué, on a pris à boire. Petit Pulco citronnade, ouais, pour ma part. Moi petit Ice Tea, mais voilà. Si vous voulez nous sponsoriser, ouais. Pulco, hein, nous on est preneurs. Et Ice Tea aussi, si jamais, enfin Lipton du coup. Écoute, on prend. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture en termes de ressenti, tout ça. Ce qu'on voulait dire nous, c'est que Alpine, globalement, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Pas mal de choses. Oui, la voiture est globalement bien réussie, on va pas se mentir. Mis à part un peu l'intérieur, l'écran, ouais. Tout ça, mais ça reste des petits détails, on critique, enfin voilà, c'est des critiques, mais bon, ouais, ça reste. Moi, ce qu'on peut dire, c'est que tu vois, au-delà de l'aspect esthétique, tu vois, si on parle vraiment de voiture, de confort de conduite, je trouve que c'est une voiture qui est sportive, mais tu vois, là, on peut rouler doucement, parler, et genre, bien que ce soit des six baquets ou quoi, ils sont super confort, donc. Tu peux rouler assez tranquillement, mais
Par contre, si tu as envie d'accélérer, tu as le mode sport. Tu as un mode encore au-dessus de sport qui est le mode track qui enlève presque toutes les aides. Sauf une chose, mais je ne saurais plus exactement te dire ce que c'est. C'est le SP peut-être. Ouais, je crois que le SP, on peut le désactiver avec ça. Ouais, on peut le désactiver avec le bouton là. Mais du coup, il y a vraiment. Enfin, la voiture, elle englobe vraiment plusieurs types de conduite et je trouve que ça en fait vraiment un plus quoi. Parce que tu sais, tu as les voitures qui sont. Bah, typiquement, on a fait l'essai de la Caterham. Et la Caterham, c'est pas une voiture pour du confort quoi. C'est c'est une voiture radicale. Bah, à mon avis, vous avez peut-être vu la vidéo, elle est sur notre YouTube, on vous la mettra dans la description. Mais ouais, c'est une voiture qui est totalement radicale. Tu conduis 30 minutes cette voiture, t'es mort. D'accord. C'est que ouais, c'est pas une voiture de long trajet, etc. Mais alors que celle-ci, je trouve qu'elle s'applique bien à plusieurs types de roulage, quoi. Ouais, exactement. Donc, vraiment, je trouve que c'est un plus. C'est un petit plus, ouais, c'est vrai. C'est une petite bombe. C'est une petite bombinette. Ça chantonne. C'est vraiment ça, Alpine, ils ont vraiment fait un bon boulot là-dessus, hein, franchement. Parce que vraiment, ça pète à chaque fois qu'on relâche l'accélérateur ou qu'on rétrograde, ça pète comme jamais. En mode sport, quand même, on le rappelle, oui, parce qu'en mode normal, quand même. Et on ressent bien les 300 chevaux, le châssis. Franchement, la voiture, elle est collée au sol. Mais moi, un truc que j'aimerais rajouter aussi, parce que normalement, c'est une voiture qui est plutôt facile et avec 300 chevaux en plus, à faire partir de l'arrière. Les drifts, c'est plutôt cool normalement, mais en fait, il s'avère que là, nous sur la voiture, on a des pneus Sport Cup, ouais, pilote Michelin, pilote Sport Cup 2, c'est ça? Bah, c'est ça. En fait, de base, on devait avoir des pneus enfin normaux de route, quoi, mais il y a eu des problèmes avec Alpine et ils ont acheté de base des mauvaises jantes. On a dû récupérer les jantes de leur patron qui était monté avec des pneus, du coup, Sport Cup. Et en fait, c'était trop long et du coup, on voulait quand même des pneus Sport Cup aussi. Donc du coup, on a pris les jantes avec les pneus Sport Cup. Et du coup, ça fait qu'une fois chauffé, faire drifter, c'est un bazar. Hein, parce que il y a du grip, ouais, c'est qu'il y a du grip sur ce bordel. Il y a carrément du grip. Quoi. Donc le drift, c'est un peu plus galère avec ces pneus. Mais bon, c'est pas... Si vous voulez du drift, on a une petite M5 qui est en réserve, qu'on va bientôt filmer. Oh là là, pardon, on va buper, il y a un gros connard qui veut rouler au milieu de la route. Hein. il était sur notre voie, gros. Je sais pas ce qu'il faisait, ça a aucun sens. Épingle toute serrée, autant dire qu'on chie un peu dessus. Mais le châssis fait totalement. On l'a dit. Ah, le châssis est si efficace, les gars. Ça tient trop bien. Hein. C'est collé à la route. C'est collé. Ah, c'est pour ça, mais moi, je sais pas vous, mais moi, genre, les grosses vitesses, tu sais, monter à 200, ça te fait kiffer de seconde, mais. Ouais. Genre, y a rien de mieux que les routes de montagne. Ouais. Pour moi, les routes de montagne, en fait, t'es jamais en excès de vitesse parce que c'est. Compliqué d'atteindre en fait les limitations dans les routes de montagne, et puis c'est du frein, tu sens le châssis quoi, alors que une ligne droite, ça s'appelle du pilotage en fait, c'est vraiment du pilotage, c'est vrai. Ça hein. Tu t'impliques vraiment dans ta conduite quoi, c'est vraiment du pilotage là, comme vous voyez, on a des petites épingles comme ça là, et le châssis est vraiment super efficace. Châssis est monstrueux, les gars, vraiment Alpine, ils ont fait vraiment un bon boulot là-dessus, mais j'ai envie de te dire, ils ont gardé ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient quand même déjà avec. Anciennes Alpine A110, quoi. J'ai envie de vous dire, Alpine, la voiture est à 98% réussie. Ouais, enfin, je pense que ce serait beaucoup de dire 98% parce qu'on peut toujours trouver des trucs, je trouve que dans son style. Réussi. Oui, dans son style. Oui, 90, après. À part chipoter sur des petits trucs. La voiture,
y a vraiment pas grand chose à dire en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on on est obligé de critiquer des petits trucs qui sont. C'est vrai qu'on se rattache à des petites choses. À des petites choses parce que la voiture elle a pas grand chose de. Elle a pas vraiment de point faible quoi. Le seul truc qu'on pourrait reprocher à cette voiture, ça serait le bruit. Ouais. Mais Alpine, ils ont fait un truc de très intelligent, c'est qu'ils ont rajouté le pop and bang en fait. Ouais. Et le pop and bang, il rajoute vraiment un. Rééquilibrer le manque de sonorité du moteur en fait. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Ouais. Et les gars, vraiment, il fait vraiment trop chaud. Vous vous rendez pas compte, il fait super chaud. Et on a la clim pourtant. Hein. Donc, on l'a pas mis à fond. Mais... Rien que pour ça, les gars, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Hein. Ouais, abonnez-vous, franchement. Et au TikTok. Au TikTok, parce qu'on est vraiment actif, parce qu'on essaye de mettre au moins un TikTok par jour. Ouais. Donc, le TikTok, on rappelle, PLM15. PLM15. Voilà, qu'on vous met dans la description toujours, on vous l'affichera à l'écran aussi. Et puis la chaîne YouTube et puis l'Instagram aussi. On va essayer de poster des photos d'ici pas trop longtemps, des photos des voitures qu'on a essayées. Mmh. On va essayer de faire un truc propre. Et puis voilà quoi. Puis ça nous fait plaisir, mettez des commentaires, tout ça, parce que on aimerait bien avoir des retours vu qu'on se lance. On est tout nouveau dans le milieu, donc des commentaires, ça fait toujours plaisir. Même des critiques, hein. Des critiques pour savoir ce qu'on peut améliorer dans nos vidéos. Parce que les critiques, franchement, ça aide clairement. Ah bah oui. Que, quand elles sont constructives. Oui, des critiques constructives nous aident à avancer. Parce que si vous nous insultez, bon, ça va pas trop nous faire avancer quoi. Oui, bah oui, parce mais que bon. Bon, on s'en pète un peu un. Bah, moi, en gros, vraiment, c'est du chipotage. Parce qu'elle fait 3 champs chevaux. Et pour moi, il manque un. Elle fait 3 champs chevaux. Ouais, 3 champs chevaux. Elle fait 3 champs chevaux. Et en fait, ce que je voulais dire. Non, mais bref. Sans rire, c'est que genre, ça manque un tout petit peu. Genre, on aimerait que ça. Qu'on ait un peu plus la coup, tu vois, du départ. Mais. Franchement, globalement. Il y a pas un petit mode launch control sur cette machine ? Il y a peut-être un petit launch control. On peut peut-être faire un petit launch control. On va essayer de trouver un endroit pour faire un petit launch control parce qu'il s'agirait d'essayer quand même. Bon, les gars, petit launch control. On va tester tout ça premier et que je fais. Le launch control, faut savoir, c'est faut lever les deux palettes. En fait. Ouais, tenir les deux palettes. Les deux palettes. On accélère, ça se bloque. Les gars, vous avez entendu, c'est pas. On n'a pas patiné, ça, pas, ça patine pas, hein. C'est... mais mignon. Voilà. Mignon. Top. Top du rien, top. Rien à dire. En vrai, rien à dire. C'est moi, 300 chevaux, c'est le ressenti. Ouais. C'est le ressenti qui va avec 300 chevaux et 1200 kilos, quoi. Ouais, non, c'est. Je trouve que c'est une petite option qui fait plaisir. Ouais, qui fait plaisir. J'ai une mi-molle, mais après, bon. Voilà, moi, je sais pas que la mi-molle, mais. Les gars, vous avez entendu ce bruit? Il n'y a pas grand chose à dire de négatif sur cette voiture. Non, on n'a pas beaucoup parlé de ça, j'avoue. Pas trop parlé de. C'est magnifique, comment on peut dire? Je sais pas. On va l'appeler un. Un terre-plein central. Mais comme vous pouvez voir, le terre-plein central, les gars, il est vraiment magnifique. Franchement, avec le carbone, l'effet carbone comme ça, les trois boutons, ça change des boîtes de vitesse automatique classique. Là c'est vraiment trois boutons très simple, donc vous appuyez une fois sur D pour avancer et puis vous rappuyez si vous voulez être en automatique ou en manuel. Donc enfin bref, c'est magnifique. Le terre-plein central, on a aussi des trucs pour mettre en dessous, charger le téléphone, bon ça vous avez déjà vu tout à l'heure, mais on peut mettre des petites affaires comme des lunettes de soleil, c'est cool, hein, on aime bien avoir des lunettes de soleil. Et on a quand même ce gros bouton rouge. Ouais, le gros bouton rouge. Je trouve qu'il rend bien quoi. Et puis le gros bouton rouge sur le volant pour mettre le mode sport. Il n'y a pas de bord. Ah non, mais moi j'aimerais dire un truc quand même. Quoi? Je sais pas si vous vous rendez compte parce que tu vois, nous là, enfin on n'est pas très grand, tu vois. C'est pas une voiture de grand. Ouais. Et pourtant, genre moi là dans mon rétro intérieur, je sais pas si vous avez vu la taille de la vitre arrière. Mais elle est vraiment minuscule. En fait, je suis obligé de me baisser pour pouvoir voir les voitures derrière moi. Ouais, c'est vrai que la vitre arrière est vraiment toute petite. Honnêtement, je ne vois rien. Elle est vraiment juste des feux, quoi. Donc, c'est vrai. Ça me fait un peu rire finalement. Ouais, moi aussi. Bon les gars, je pense qu'on a un peu fait le tour et écoutez, je pense qu'on peut. On va pouvoir se dire au revoir. Ouais, je pense plutôt. On va pouvoir vous laisser et on va vous dire à la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine. Parce que tous les dimanches à 9h. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit like. PLM15. Un petit like, commentaire si vous pouvez.
et puis TikTok, PLMcast, Instagram, et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais qu'on dise de plus? Bah hein, écoute, il y aura des dingueries qui vont arriver. Des petites dingueries, mais quoi. Vraiment des dingueries. Genre, ouais. Il y aura des grosses dingueries, vous allez voir, c'est n'importe quoi. On va ramener du lourd. Ouais, on va vous ramener du très très lourd. Vous êtes pas prêts. Enfin bref, sur ce, les gars, on se dit bisous et, ouais. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les boys.